Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter un gameplay sur Call of Duty World War 2, la bêta. J'espère que ça va vous faire très plaisir. C'est parti, en avant, on y va. Alors évidemment, on va commencer par un petit match à mort par équipe. Vous pouvez le constater, je suis déjà... J'ai un petit problème d'élocution, ça vous le savez. Hein. Je suis déjà level 14, donc ça veut dire que j'ai vraiment déjà bien taffé le jeu, même si j'aurais plus pu faire effectivement comme mon poteau K6K qui est déjà level 28. Voilà, il y en a qui font effectivement plus d'efforts que d'autres. On va commencer avec... Alors, qu'est-ce que j'avais choisi comme arme? La type 100 sur la classe aéroportée. C'est parti, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de gameplay comme ça. C'est génial. Et voilà, et de 1, le shoot légendaire du requin, il est là, il est bien présent. J'en ai vu un deuxième ici. Alors, où est-ce qu'il sera? Il sera effectivement là-bas. Donc, je vais essayer de me rapprocher. On va recharger. Hop, voilà, un deuxième. C'est parti. Ouais, ma sensibilité est très très basse, hein. C'est un truc de ouf. Sur la carte, il m'indique qu'ils sont tous au fond à droite. Toujours faire attention à la TH, c'est un truc de ouf. Alors, normalement, je devrais en avoir là, effectivement, dans le coin. Je lance une petite greu. La grenade qui veut pas péter sur l'ennemi. Voilà. Et normalement, il devrait toujours y en avoir là, quelque part sur la gauche. Je sais pas exactement où. Non, ils sont toujours dans mon dos. Enfin, si, qu'il y ait des poteaux, mais pas d'ennemis, en fait. On va continuer à avancer. Alors, je connais pas du... Wesh ! Vas-y, je vais prendre celle-là. Je sais pas du tout ce que c'est, mais on y va. Oh, elle fait mal de ouf, hein. Je vais essayer de leur voler régulièrement les armes, en fait. Vas-y, donne ton AK. Wesh, tu meurs pas ou quoi? Un truc de ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur les codes. Hein. Moi qui suis habitué à Rainbow Six maintenant... Attends, ça fait bizarre, Roya. Tu devrais, et rien que pour ça, tu devrais laisser un pouce bleu, tu vois. Alors, ok. Et de 1, et de 2. Il faut que, putain, les drop shots, quoi. J'y pense même pas. On est sur code pour une fois que j'ai le droit. Vas-y, drop shot. Ok. On est parti. Il y en a encore un là sur ma droite, quelque part, je crois. Oh, la double! Oh, la double! White, c'est magnifique ce que tu fais. C'est un travail de travailleur. Pas de youtubeur, effectivement. Toujours regarder au loin sur ce genre de jeu. Toi, campeur, je vais te défoncer. Voilà, la grenade qui proc. C'est parti. Putain, le nombre de balles qu'il en faut à certains pour mourir, c'est assez incroyable. Donc, en fait, j'ai compris. Moi, je me balade, en fait. Je me promène souvent à découvert. Et c'est ça qui fait que je vais mourir ou pas. Donc, je vais essayer d'être un peu plus intelligent. Et surtout, de beaucoup drop shots. Puisque on reste sur un Call of Duty à la base, en fait. Je vais essayer de rusher les spawns, en fait, à chaque fois. J'en ai raté un. Est-ce que j'en vois un autre, là? Il devrait toujours être derrière le caillou là-bas au fond en fait. Ah, j'ai du mal. Hein. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à COD. Et je vous casse les couilles parce que je suis en train de vous bassiner avec mes monologues de l'enfer là. Ils sont tous là-bas au fond. Donc là, je devrais encore en avoir effectivement en face normalement. Voilà, encore un. J'ai oublié drop shot, gros. C'est un truc de... Oh, c'est quoi? Ah ouais, il y a des avions qui... Bah oui, il y a des killstreaks, on est sur COD, gros. Je crois que c'était un gars. Mais non, t'es fini, Roya, t'es fini. Alors. La double! Est-ce que j'aurai le droit à une petite triple? J'ai vu là au fond. Non, simplement une grenade. Putain, je me prends des bombardos dans la gueule, c'est assez insane. Donc je les ai vus, ils sont là au fond, je vais essayer d'aller chercher. Oh! Insane! White, alors là. Alors, on va lancer le petit qui streak là. Bombardeuse, vite! Vite! Pff, double élimination quoi! Non, il y a une greue. J'ai plus que 11 balles. Alors, je vais ramasser ça. La STJ 44. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est vraiment un bordel! Non, drop shot, ça passe pas. On est sur 24-6! Oh là là, c'est un carnage! White Shark, tu nous avais pas menti quoi. Vraiment là, Roya? Il va me la mettre, hein. Toi, t'es en vacances, frère. Toi, t'es mort. De ouf. Je crois que c'est allié, donc ça va, je suis tranquille. Et là, il devrait... Proc à droite. Mec, c'est moi qui ai l'avantage, gros. Tu devrais mourir. Tu dis, il aurait dû... Non, mais si. Dites-le-moi en commentaire, il aurait dû mourir ou pas eh. Alors, faites-moi voir un petit peu de quoi vous êtes capable. Ils sont effectivement tous sur ma gauche. Anitenda, Granada. Voilà, ce réflexe de ouf. Et non, j'ai pas eu de réflexe en fait. Pareil, on va y retourner. Faut que la folie meurtrière, elle continue là. C'était insane ce qu'on a proposé.
Alors on va continuer avec le brain et l'intelligence de jeu, effectivement on fera tout le tour de la carte s'il le faut pour trouver un maximum d'ennemis et les défoncer. Monsieur, s'il vous plaît. Eh hey, donne-moi ton carnet. Donne-moi ton carnet. Ça s'appelle une grue ça. De type grenade allemande. Donc là je pense qu'il campe toujours là dans le coin. Toi t'es mort. Victoire. 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 Est-ce que c'est moi qui ai l'action de la partie ou pas? 100 à 53. Mais c'est un délire messieurs dames. Et oui c'est moi. C'est moi l'action de la partie. Moi que ça, hop, la triple, tac, ça recharge, ça décale à gauche, ça décale à droite. On continue, et là, c'est bon, c'est fini. C'est le kill de fin. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. S'il y en a encore un là, bam, bam, bam. Lui, je le défonce, et voilà, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est ça qu'on veut proposer ici sur cette chaîne YouTube. Mais oui, Gotaga, t'es rincé, frère. C'est terminé. Alors, effectivement, on termine sur un 26 et quel. Et je vais leur dire un petit salut, tu vois, genre. Hé, hey, ça va ou quoi? Hé, hey, maintenant, je leur dis salut, tranquille. Sartek la famille, bonjour. Et c'est un niveau complet qu'on finira par prendre. Niveau 15, promotion. Donc là, pour le coup, vous pouvez voir, mon petit ratio élimination mort, c'est un ratio de 3,25 quand même. C'est pas dégueulasse. On propose de la merde ou pas sur cette chaîne YouTube? Comment ça se passe? Maintenant les amis, je vais essayer de vous proposer une petite domination. On va partir en domi, vous montrer un petit peu ce que c'est, et puis tout simplement prendre un maximum de plaisir ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite vidéo vous a plu, si ce petit commentaire des familles vous a plu. J'ai changé plein de choses, la caméra, le montage, le gameplay. Ça se diversifie un petit peu, on propose du multigaming et tout, donc j'espère vraiment que vous faites plaisir. Alors cette fois-ci, je vais partir sur... Je vais partir sur quoi? Tiens, je vais partir sur le Grease Gun. Le Grease Gun en infanterie. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'on sera amené à changer. Donc là, c'est de la domi. Je pense que vous savez ce que c'est de la domination. Hein. Vous avez déjà joué à Call of Duty. L'objectif, c'est de prendre des points. Et j'arrive dans une partie qui est perdante, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Tiens, c'est quoi ça? Voilà, là, j'ai une bonne arme, là. Alors, on va essayer de se promener. Il devrait y en avoir, effectivement, sur A ou dans le coin. Merde, j'ai lancé un truc. Je sais même pas ce que c'est, frère. Oh, j'ai un viseur dessus, il est génial. Putain, je l'ai eu. Encore un petit réflexiote. On va se calmer doucement, on va temporiser. Et on va se diriger vers A, on va essayer de se le prendre. Putain, si t'arrives à me la... Frérot, come on. On va redresser un petit peu tout ça, on va reprendre les rênes de cette partie-là, parce que bon, ça pue la merde, hein. Messieurs, dames, please. Messieurs, dames, please. Come on, Boris. Let's go on A. Wesh. On est sur A ou quoi? Ouais, c'est bon. C'est bon, tiens. Je te souille, moi. Je ne peux pas grenader et je suis dans le mal absolu. Et gros, si tu me la mets, je te jure, j'ai failli pleurer, là. Voilà, tiens, il meurt. À un moment donné, les gars, il faut lâcher un peu l'affaire. On va venir dans le bac, on va les prendre dans le bac sur B. Je vais pas pouvoir, là, parce que il va me souiller. Ok, nickel, bravo les gars, hein. Bravo vraiment. Là la domination est... se fait. Oh, c'est abusé le shotgun, je crois que je vais jouer au shotgun en fait. Là j'ai fait un double kill tranquille, pas de problème. Hein. Ah j'ai joué un peu. Non, c'était le mien, Roya! Allez, 9-3, c'est parti. On est toujours sur un ratio de 3. C'est bien, on se promène. On se promène. On fait découvrir Call of Duty à un autre niveau, là. C'est bon, on a passé les 100 000 abonnés. Il est temps de montrer aux grands ce qu'on est un petit peu capable de faire. Non? Eh. Hey. Si tu me l'avais mise, mec, je te jure, j'aurais crié la vie de ma mère. Là, pour le coup, j'aurais gueulé quand même. Donc, on est en 10-3. On va récupérer un peu. On va se déporter. Tac, tac. Please, please, Peter. Allez, on se déporte. J'ai toujours mon artillerie, je crois, en plus. Non! Et on a remonté de ouf! Là, on est sur un 10-4. Et on est repassé devant! Si ça, c'est pas... Comment dire, se sentir un petit peu pousser la partie. Vas-y, rentre chez ta mère, toi, s'il te plaît. Merde, il a un snipe. J'en veux pas de ta merde. Vois bien, c'est pas grave, hein. On crève dans les flammes de l'enfer, y'a pas de problème. 11-4. 11-4 avec 3 captures. 11-5, pardon. 11-5, 3 captures. C'est bien! Maintenant, on va reprendre un petit peu B parce qu'il nous domine de nouveau. Et ça, c'est un peu la merde. Et lui, il veut quoi? Putain, gros. Ils sont abusés, ces shotguns. Ils tirent du feu, en plus. Non, il est dans mon dos. Je sais même pas où je tire, frère. Voilà, il est mort. Tiens, au moins, j'ai pris ta revenge. Oh, j'ai failli le potato. Tiens, vas-y, donne-moi ça. Et on va rusher un peu, là. C'est parti. Gros.
Gros, ça fait le deuxième coup de shotgun là. Merci. Allez, suivant. Là, je vous soulève, hein, c'est bon. Voilà, tu meurs, s'il te plaît. C'est parti, prends le point B, prends le point B. Je vais sécuriser tout ça. Tiens, allez, une petite greu. C'est parti. Allez, encore, encore, on continue là. Unstoppable, gros. Je vais pas pouvoir le prendre celui-là. Je suis trop chaud. On ne m'arrête plus. On ne peut pas m'arrêter, gros. Tiens, mais t'arrases, toi. On l'a souillé. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Du coup, j'ai 4, j'ai un bombardement. Défaite. Non. Sur un 22-6, encore en demi. Avec le boulot qu'on m'a fourni. Allez, tiens, c'est moi, ça. C'est moi ça, je capture, boum, et de 1, bim, et de 2, tranquille, t'as vu, bam, je me retourne, je saute, j'étais en capture, et là, je le quickscope, vous allez voir, regardez-moi ça, et la double, pour terminer. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu, et voilà, comme d'habitude, on a proposé du beau jeu de ouf, c'était terrifiant ce qu'on a proposé, on a fait presque 50 kills, ou on a fait 50 kills, je sais plus, j'ai pas vraiment fait gaffe au score, de toute façon je me souviens même plus de la première game, c'est ça aussi l'inconvénient d'être un poisson quand on est un requin. Les amis, j'espère que vous allez lâcher un énorme like sur cette vidéo, j'aimerais bien qu'on pète la barre des 5000 likes, je ne sais pas pour quelle raison, mais juste pour se fixer des objectifs un petit peu avancés, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, j'essaierai de le faire avec des collègues. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau live ou pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace.